Bonjour à tous, je suis Clément et aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser de bons abdominaux pour avoir le ventre plat quand on est un homme. Le premier exercice, peut-être que vous le connaissez déjà, il s'agit de la planche. Pour cela, il faut d'abord se mettre au sol. Donc, le premier niveau, ça va être un exercice qui va être plutôt statique, la planche statique. Donc, vous mettez vos avant-bras en contact avec le sol et vous vous mettez tout simplement sur vos pieds. Okay? Attention à ne pas être trop les fesses en l'air ni les fesses vers le bas, sinon vous allez trop cambrer votre dos. Essayez d'être le plus droit possible. Okay? Donc ça, c'est le premier niveau. Pour ce premier niveau, je vous propose un petit défi pour pouvoir quantifier un petit peu le nombre de répétitions, c'est-à-dire que vous allez rester le plus longtemps possible dans cette position-là, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Alors, vous allez devenir tout rouge, mais ne vous inquiétez pas, vous vous arrêtez. Et par exemple, vous allez tenir une minute. Et du coup, vous allez pouvoir faire 30 secondes, d'accord? La moitié de votre maximum. Faites des séries de 30 secondes, ok? Et une fois que vous avez fait cet exercice-là sur plusieurs semaines, refaites la même évaluation le plus longtemps possible et regardez combien de temps vous durez. Peut-être vous allez arriver à 2 minutes, ce qui pourra vous faire faire des séries de 1 minute. Okay? Le deuxième niveau va être plutôt de manière dynamique. Donc, vous allez vous mettre sur les mains, les pieds au sol. Essayez encore une fois de ne pas avoir les fesses trop en l'air ni trop en bas. Essayez de rester le plus droit possible et vous allez faire des mountain climbers. C'est-à-dire que vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Okay? Donc, plusieurs possibilités d'y aller relativement lentement. Et pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris, vous pouvez y aller un petit peu plus vite si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est notre deuxième niveau pour ce premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va s'attaquer à vos obliques, d'accord? Là, c'était plutôt le droit que nous avons travaillé. Maintenant, nous allons s'occuper de vos obliques. Donc, l'exercice, cette fois-ci, se passe au sol aussi. Vous allez vous mettre le dos au sol, les pieds à plat au sol, les jambes fléchies. Okay? Vous allez mettre vos mains au niveau de vos tempes et vous allez faire, donc vous allez lever un genou. Et en même temps, vous allez ramener le coude opposé. Ne ramenez pas le même coude, d'accord? Genou, coude, opposé. Okay. Et vous allez effectuer ce mouvement-là de chaque côté. Pensez à bien souffler pendant l'exercice. Vous allez voir, ça va trembler, ce qui est normal puisque vos abdominaux vont travailler. Donc, ce qui est important, c'est de bien lever vos épaules et de lever vos pieds. Il est pas mal celui-là. Il est vraiment bien. Ok. Et le troisième exercice, ça va être les relevés de jambes pour essayer de s'attaquer à la partie inférieure de vos abdominaux. La plus difficile à perdre, mais qui est possible malgré tout. Ok. Vous êtes sur le dos, vous avez les jambes qui sont bien à plat contre le sol et vous allez lever vos jambes, ok, jusqu'à la verticale. Voilà. Ce qui est très important pour cet exercice-là, c'est d'essayer de garder votre bas du dos en contact avec le sol, ici. Si vous avez des difficultés, si vous avez un petit peu de scoliose, vous pouvez toujours mettre vos mains sous vos fesses pour mettre votre bassin en rétroversion. Okay. Voilà. Et là, votre dos est en sécurité. N'oubliez pas de souffler pendant cet exercice-là. Okay. Et vous avez évidemment le deuxième niveau, un petit peu plus dur, où là, vous allez aussi engager le haut du corps, c'est-à-dire que vous allez mettre vos mains au-dessus de vos têtes, vous allez lever vos jambes et lever vos épaules en même temps. Et voilà. Un petit peu plus compliqué celui-là, mais très efficace pour, je vous rappelle, travaillez vos abdominaux et là on s'attaque vraiment plutôt ici, les poignées d'amour sur le côté et puis voilà le petit bourrelet qui est ici. Ça se travaille, donc comment ça se travaille? Il suffit de réaliser ces exercices-là, donc entre 10 et 12 répétitions par exercice, d'accord? Entre 3, 4, 5 séries pour les jours où vous êtes vraiment en forme et un minimum de 3 fois dans votre semaine et vous verrez qu'au bout de quelques semaines déjà, vous allez perdre un petit peu de votre ventre en raffermissant vos abdominaux. Allez, voilà maintenant, à vous de jouer !